m'appelle Florian Van Damme, alias Didista, j'ai 22 ans et je suis le e-sportif du Sporting Charleroi. Didista, ça vient de... Bon, je suis supporter de Charleroi, mais je suis aussi supporter du Real Madrid. Et donc, les fans du Real Madrid, on les appelle les Madridista. Et bon, j'ai fait Didista. Depuis que je suis tout petit, je joue aux jeux vidéo. Mon parrain m'a fait découvrir cet univers-là et depuis, ben, j'ai continué. J'ai joué dans un premier temps, comme tout le monde, à PES. Puis l'époque FIFA est venue et je continue à jouer à FIFA. J'avais pas vraiment de rêve. Je me disais peut-être qu'un jour, en étant tous amoureux du foot et en pratiquant le foot étant petit, je me suis dit ben, peut-être pourquoi pas un jour. Mais au final, je suis dans une autre direction au Sporting Charleroi, donc, mais pas en tant que footballeur. Ma première console, c'était la PS2. C'était aux alentours de 6-7 ans, on va dire, donc c'était très tôt. Et encore une fois, c'était avec mon parrain qui m'a fait découvrir ce monde-là. Et je jouais à des jeux comme Crash Bandicoot, etc. Je jouais pas vraiment à des jeux de foot ou... C'était plus du Peter Pan, etc. Enfin, vraiment aléatoire. Mon premier FIFA a été le FIFA 2006, il me semble, avec la jaquette, tout ce qu'il y avait, Ronaldinho, etc. C'était vraiment mon premier FIFA, j'avais 7 ans. Quand j'étais petit, ma famille, ma maman et mon papa, etc., ils n'étaient pas trop pour, parce que je passais pas mal de temps. Dès que je rentrais de l'école, je jouais au jeu. Et bon, encore à l'heure actuelle, quand je travaille maintenant, et après mon boulot, je travaille, mais maintenant, c'est ma copine qui râle. Mon premier tournoi, c'était donc le Cora eSport Tour à Châtelineau. J'ai fait demi-finale ce tournoi-là. C'était vraiment mon premier, donc découverte un peu des personnes du monde-là, de la compétition FIFA. Donc ça s'est bien passé, j'avais fait demi-finale à l'époque, donc c'était pas mal. Et j'ai entendu que le lendemain, il y avait un tournoi pour représenter le Sporting Charleroi en tant qu'amateur la saison qui suivait. Et donc c'est parti comme ça, donc le lendemain, je me suis inscrit pour le tournoi pour être le représentant du Sporting en tant qu'amateur. On m'a repris pour être le joueur amateur. Dans cette compétition-là, l'année passée, j'ai fini top 6, donc j'étais en play-off 1. Malheureusement, je n'ai pas été plus loin que les play-offs. Mes proches ont bien réagi. J'ai eu beaucoup de félicitations, comme quoi des personnes ne s'attendaient pas qu'on peut s'engager avec un club professionnel pour jouer aux jeux vidéo. C'était un peu, une consécration. Parce qu'ils me voyaient jouer, mais sans jouer pour jouer, quoi. Maintenant, ils voient que je joue pour quelque chose de sérieux, quoi. Il y avait deux tournois qualificatifs, donc les deux finalistes avaient la chance de rencontrer la direction pour pouvoir peut-être être le joueur amateur à l'époque. Donc j'ai eu la chance qu'ils ont opté pour moi. Et c'est parti comme ça, donc du tournoi, plus les qualifications Sporting, et voilà. C'est un Carola Charleroi, vu que je suis abonné, supporter, maintenant joueur e-sportif pour Charleroi, c'est vraiment le milieu parfait pour moi, quoi. L'année passée, en tant qu'amateur, j'avais pas trop de pression, on va dire, donc j'étais l'amateur, je jouais, si on espérait bien sûr le top 6 comme tout le monde l'année passée. Mais si ça venait pas, c'était pas très grave, mais chose qui a été faite. Donc, et la différence cette année, c'est que bon, j'ai le statut de professionnel et on est champion en titre sur FIFA, donc il y a un statut à avoir, quoi, cette année. C'est quand même compliqué de reprendre la relève parce que bon, il y a quand même la pression, les gens qui disent oh, ça c'est le champion en titre, enfin le club champion en titre. Donc bon, y a une petite pression, mais moi je la prends pas comme une pression, je suis là pour m'amuser, et voilà, quoi. Pour le moment, moi, ça se passe très, très bien, je suis troisième au classement, même si je pense que j'aurais pu prendre 5-6 points en plus, mais après une troisième place pour ma première année, je pense que c'est déjà pas mal. Au club, je me sens vraiment comme une famille, je connais un peu tout le monde, enfin je connais pas tout le monde, mais je côtoie certains joueurs qui me félicitent, les dirigeants aussi que des fois ils envoient des messages pour voir comment ça va, etc. Donc c'est vraiment familial comme club. Oui, j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec Nicolas Pento, Kenen Kuba, Joachim Imbrex, ainsi de suite.
Et d'ailleurs aussi en match d'ouverture pour la Pro League avec Mamadou Fall, qu'on avait fait un 2v2 à l'époque, qu'on avait perdu, mais j'ai déjà eu l'occasion de jouer avec plusieurs joueurs et ils sont vraiment tous sympathiques. Ouais, non, les joueurs n'ont pas réussi encore à me battre. Bon, j'espère pour eux que ça viendra un jour parce que bon, c'est un peu triste pour eux. Oui, ma tactique du début de match, c'est souvent 4-2-3-1. Après, je peux passer aussi en cours de match avec un 4-4-2. Ou ce que maintenant, beaucoup de personnes passent en début de match en 5-3-2 ou 3-5-2. C'est vraiment la méta du jeu cette année. Mais moi, je reste toujours depuis le début du jeu avec mon 4-2-3-1. Je trouve que c'est le style de jeu qui me correspond le mieux. L'avantage de cette tactique, c'est peut-être que je peux plus déborder sur les côtés. J'ai toujours quelqu'un au centre avec mon fameux attaquant qui est Nicholson, que j'arrête pas de marquer avec. Donc il peut rester toujours dans l'axe et j'ai toujours un milieu offensif en retrait et deux sur le côté qui peuvent partir vu que j'aime bien jouer avec les profondeurs comme tout le monde le sait. J'ai toujours l'impression de mener très vite dans les matchs, mais bon, on ne peut pas parler de Matsu Time ici parce que, mis à part ici cette semaine contre le Berskut, tout ce que j'ai marqué le 2-2 sur pénalty à la 91e, je pense. Bon, ben, sinon, je pense que dans les matchs, j'ai vite mené et une fois que je menais, j'ai vite conservé le score. Je me considère comme un joueur qui joue méta, donc la méta du jeu, donc un peu dribble, pas trop abusé, les dribbles qui passent bien, les profondeurs, les phases arrêtées, les centres, corners, etc. Donc je joue plus méta dans le jeu, mais pas collectif. Enfin, collectif, bien sûr, j'aime bien tourner un peu le ballon, mais mon style de jeu, vraiment, c'est partir le plus vite possible en attaque. Ma célébration préférée, c'est... j'en ai pas vraiment. Je sais bien qu'il y en a qui aiment bien mettre dans la sauce, etc. Mais moi, j'appuie sur le bouton et voilà, je célèbre et c'est bon, quoi. Mes prochains adversaires, on regarde comment ils jouent, qu'est-ce qu'ils fait bien ou pas bien, sur quel point avancer, sur quel point essayer d'aller titiller l'adversaire, etc. Donc, ouais, c'est vraiment... On passe pas mal de temps, on va dire 2-3 heures sur une journée pour bien analyser l'adversaire et puis on passe à la pratique et donc il prend l'équipe de mon adversaire et on regarde un peu, il joue avec les mêmes joueurs que lui, la même tactique, la même envie, etc. Non, Karim Bellossi ne m'a pas encore demandé de conseils, mais je pense qu'il le fait très bien, c'est son job et il le fait mieux que moi. Le meilleur joueur contre qui j'ai joué, c'est Zéror de Saint-Tron. Je pense qu'il c'était vraiment l'adversaire le plus coriace que j'ai eu, même si j'ai perdu plus sévèrement contre Quentin du Standard de Liège. Mais c'est vraiment le joueur le plus complet que j'ai joué, c'est celui de Saint-Tron Zéror. Être pro, c'est de l'entraînement, parce qu'on ne devient pas professionnel FIFA qu'en jouant une fois par semaine, par exemple. C'est vrai que comparé justement à l'année passée, où j'étais amateur, je joue plus qu'avant. Je m'entraîne plus, j'analyse plus. C'est vraiment quelque chose que j'ai travaillé cette année, donc analyser l'adversaire et voir vraiment comment il faut jouer sur ce match. Comment je me prépare pour débuter cette saison, la saison, c'est je joue vraiment énormément au jeu. J'ai l'habitude de jouer vraiment non-stop presque pour découvrir le jeu, pour voir ce qui va, ce qui ne va pas. Bon, après, c'est compliqué avec FIFA parce qu'il y a souvent des mises à jour, donc ça change vraiment toutes les deux semaines, donc il faut se réhabituer à chaque fois. Mais je joue vraiment énormément au début du jeu pour découvrir et pour apprendre le jeu. Comment ça se passe dans ma vie? Ben, je me lève, je vais travailler, je reviens, je mange, etc. Et puis je vais jouer. Moi, je m'entraîne vraiment le plus en mode 90 parce que, mine de rien, il y a quand même une différence entre l'Ultimate Team et le mode 90. Mais après, je trouve que le mode 90 est mieux et correspond plus au mode Ultimate Team que le mode 85 de l'année passée. Mon objectif cette saison, c'est déjà de parvenir au top 8, donc d'être dans les playoffs. Et après, on verra aller le plus loin possible et pourquoi pas essayer d'aller chercher le dernier carré, une finale ou conserver le titre à Charleroi. Non, c'est vrai que c'est un peu compliqué cette situation de jouer en distanciel,
mais parce qu'on avait toujours l'habitude de se retrouver tous pour jouer. Bon, c'est plus amusant et plus chouette pour jouer. Mais bon, les circonstances font que. Mais après, ça change pas grand chose sur la manière de jouer. Mine à part que c'est de l'internet, enfin, ça dépend des connexions, etc. Ça change un petit peu, quoi. J'ai d'autres passions, oui. Je regarde beaucoup le foot. J'ai l'habitude de regarder toujours les matchs en Angleterre, en Italie, en Belgique. Souvent les matchs du Milan AC parce que mon beau-papa est supporter du Milan. Mais sinon, oui, c'est FIFA, foot, le shopping. J'aime bien aller faire du shopping. Et voilà. Non, la chose la plus importante, c'est vraiment le foot, en fait. Hein. Depuis que je suis petit, je baigne dedans, donc c'est vraiment quelque chose que... D'ailleurs, plus aller au stade, c'est un peu ennuyant pour le moment. Donc, mais c'est vraiment ma passion première et ce que j'aime le plus dans la vie, le football. Moi, je travaille donc dans un supermarché dans mon village. Et donc voilà, ça me prend vraiment beaucoup de temps dans mes journées. Donc j'essaie d'alterner le mieux possible entre le monde professionnel FIFA et le monde du travail. Dans 5-10 ans, voire même avant, j'espère en vivre de FIFA. Enfin, même pas en vivre, mais pouvoir tirer des bénéfices, des bonnes conclusions de FIFA. C'est sûr que bon, ça prend pas mal de temps FIFA, donc c'est comme une journée de boulot presque. Hein. Donc c'est des 7-8 heures par jour, voire moins bien sûr, mais c'est vraiment un boulot vraiment conséquent. Bon, bien sûr qu'il y a plus difficile dans la vie que de jouer à FIFA. C'est sûr qu'un jour j'aimerais bien en vivre de FIFA. Au niveau de l'accélération en e-sport ou pas, je sais pas trop vraiment parce que je suis assez nouveau sur la scène. Donc ça fait maintenant un an et demi que je suis là. Donc je sais pas vraiment comment c'était avant, mais de ce que j'entends, oui, c'est sûr que c'est de mieux en mieux et ça va vers l'avant, ça va de l'avant. La formule, elle est pas mal, je trouve, cette année, enfin, mieux que l'année passée, par exemple. Après, c'est sûr que le mode Ultimate Team, ce serait vraiment le top du top, mais je trouve le mode 90 et le format de compétition cette année vraiment beaucoup mieux que celui de l'année passée. C'est peut-être plus juste que le mode 90 que le mode 85. De là déjà, on est plus limité maintenant. Donc l'année passée, on était limité à 3 étoiles de gestes techniques, donc on ne savait pas faire grand-chose au niveau des gestes, la rapidité du jeu, etc. Donc c'est franchement, le mode 90, c'est celui qui se rapproche le plus du mode Ultimate Team. Et c'est déjà bien, je trouve, même si on n'a pas vraiment les droits ici en Belgique. Donc si on n'a pas les droits, il faut trouver une autre solution. Je trouve que cette solution-là est vraiment la plus cool possible. Ici, par exemple, je viens de voir en France, ils font la E-Ligue 1 aussi sur le mode amateur en mode 90. Et je vois beaucoup sur les réseaux sociaux dire « Ah, le mode 90, super, c'est meilleur mode, mieux que FUT, etc. » Donc peut-être que le mode 90 a peut-être de l'avenir, je sais pas trop. Mes conseils pour s'améliorer ou passer des paliers dans le FIFA, c'est vraiment de s'entraîner avec meilleur que soi. Donc aller chercher des personnes plus fortes sur les réseaux sociaux, demander pour jouer des matchs, apprendre, regarder les replays, voir si ce qu'on n'a pas bien fait quand on prend un but, ce qu'on a bien fait, etc. Et plus commettre ses erreurs et de jouer. Et au bout d'un moment, ça va payer, quoi. Donc, jouer meilleur que soi, c'est vraiment le meilleur conseil que je peux donner. On peut s'améliorer en regardant les matchs des autres, mais après, chacun son style de jeu, donc c'est pas vraiment un conseil. Enfin, si, pour analyser le futur adversaire, c'est un bon... Il faut regarder, mais pour s'améliorer soi-même, je pense que c'est pas vraiment la meilleure chose à faire. Il y a d'autres solutions, comme je viens de dire, qui sont plus importantes. Il y a vraiment un peu des deux, je dirais, de la chance et du travail. Donc bien sûr qu'il faut connaître les bonnes personnes au bon moment et pouvoir en profiter. Mais après, sans travail, sans garder un bon niveau de jeu ou s'améliorer, on reste pas très longtemps au statut où ce qu'on est, quoi. Oui, c'est sûr que dans d'autres pays, ils sont beaucoup plus avancés qu'ici en Belgique. La Chine, par exemple, l'Allemagne, la France. Après, c'est sûr que je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose de suivre
cette étape-là d'école gaming, etc. Après, c'est dans l'air du temps, donc... ouais, je pense peut-être que c'est une bonne chose, mais je pense que l'école et le monde du gaming, c'est deux choses à part qu'il faut vraiment mettre écartées, quoi. Ça, c'est pas, si c'est compatible, mais c'est pas, je pense que ça peut pas trop s'associer. Mes superstitions, non, j'en ai pas vraiment. Je mets mes écouteurs pour écouter de la musique. Je parais plus concentré, focus sur mon match, et j'entends rien autour. Et je pense que la musique, c'est mon petit truc que j'aime bien avoir. Donc, par exemple, j'aime bien aller sur Spotify et mettre le top 50 français, belge, et j'écoute, et voilà, quoi. C'est comme ça. Non, j'écoute pas Pierre Ménez et sa demi-volée coupée, ou je sais plus ce qu'il dit dans les commentaires FIFA.